Bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Non, je me présente, je suis Christine de Beauregard. Pardon. Je suis Christine de Beauregard. Je travaille donc à Saint-Quentin-en-Yvelines, à la direction immobilier, attractivité et immobilier d'entreprise. Donc là, nous allons vous faire une petite présentation avec donc mes deux collègues qui travaillent également avec moi sur ce secteur-là et que je vous présenterai tout à l'heure, parce que si vous avez des questions, des interrogations, quoi que ce soit, surtout, il ne faudra pas hésiter. Donc je vais commencer par vous présenter un petit peu le territoire de Saint-Quentin. Est-ce que tout le monde connaît bien Saint-Quentin-en-Yvelines ? Est-ce que vous savez de combien de communes sont composées, de combien de communes est composé le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines ? J'ai pas besoin de vous répéter, donc 12 communes. C'est un territoire donc très 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 bien desservi par les transports en commun. C'est un territoire qui comprend 230 000 habitants, 145 000 emplois, 16 000 entreprises. Donc vous êtes vraiment dans un écosystème très intéressant. C'est le deuxième pôle économique de l'Ouest francilien et c'est également le premier pôle commercial des Yvelines. Donc, on a fait des petits flyers comme ça qui représentent un petit peu tout ce qu'est Saint-Quentin-en-Yvelines et surtout la réussite du territoire. Donc, c'est un pôle d'affaires majeur. Ce sont des entreprises emblématiques. Et le territoire de Saint-Quentin, ce qui est intéressant, c'est qu'il est composé à la fois de grands comptes, mais également de start-up, de TPE, de PME. Et donc, il y a toutes les filières qui sont représentées, que ce soit l'aéronautique, défense, sécurité, automobile, santé, BTP. Et donc, grâce à tout cela, on a vraiment un panel d'entreprises, et notamment avec les grands comptes. Donc, on a bien évidemment les bureaux d'études, les sous-traitants qui viennent se greffer autour. Donc, on a également une offre immobilière très, très, très diversifiée, puisqu'on a des locaux qui commencent à partir de 10 mètres carrés, des bureaux très bien placés de 10 mètres carrés, jusqu'à de l'immobilier d'entreprise à hauteur de 80-100 000 mètres carrés. Voilà, donc là vous avez un petit peu le descriptif de Saint-Quentin. Alors, l'immobilier purement. Donc, je vous disais tout à l'heure, c'est le deuxième parc de l'Ouest parisien avec 4,6 millions de mètres carrés d'immobilier d'entreprise. Quand on dit immobilier d'entreprise, ça comporte à la fois les bureaux, mais également tous les locaux d'activité, les entrepôts, les centres de recherche R&D. Donc tout type d'immobilier d'entreprise, avec des niveaux de loyer très stables, puisque nous sommes en seconde couronne, et la particularité également de Saint-Quentin, c'est d'avoir vraiment des niveaux de loyer qui évoluent très très peu, et qui sont très intéressants, notamment par rapport à la première couronne et Paris. Un taux de vacances maîtrisé. Alors, taux de vacances, c'est en fait l'immobilier disponible sur le territoire. Et sur Saint-Quentin, on a une particularité, c'est qu'on a pris en compte très très tôt l'immobilier obsolète. Et donc, on a accompagné les opérateurs, les promoteurs pour réaliser des opérations de réhabilitation ou des opérations de démolition-reconstruction pour avoir justement de l'immobilier neuf à proposer aux entreprises. Rien que dans ce secteur-là, on a des grosses entreprises comme Malakoff Médéric, Aegis, etc., qui étaient historiquement sur le territoire et du coup dans de l'immobilier obsolète. Et du coup, grâce à ces opérations, les entreprises, lorsqu'elles ont commencé à s'interroger sur leur relocalisation, ont trouvé en fait à deux pas de chez elles des locaux disponibles et neufs qui répondent aux attentes des salariés. Et donc, comme ça, on peut garder également toutes nos entreprises sur le territoire.
En 2018, on a eu une année record au niveau des transactions. Donc les transactions, transactions et mouvements d'entreprises, c'est toutes les entreprises qui bougent sur le territoire, qui se développent, ou des entreprises qui viennent de l'extérieur de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et donc on a eu 630 000 m² de transactions. On a fait le total depuis 2014, donc jusqu'en 2018, donc ce qui est plutôt important. Alors, sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a plus d'une cinquantaine de zones d'activité. Mais pour ne pas communiquer sur 50 zones d'activité, on a divisé le territoire en trois pôles majeurs. Donc on a le pôle que vous avez ici, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est ce qu'on appelle le ski high-tech. Et donc c'est un pôle qui est à la croisée de plusieurs communes. Donc il y a à la fois la commune d'Éloncourt, la commune de Plaisir, la commune des Clés, et la commune de Trappes, une partie de Trappes. Donc sur ce secteur-là, c'est un espace que l'on va mettre en avant dans les prochaines années, puisqu'on veut faire de ce pôle ski high-tech une future entrée régionale sur la région parisienne, et surtout développer tout ce qui est industrie 4.0. Et donc là, sur cet espace, comme il y a la partie sur Éloncourt, la Clé Saint-Pierre, qui est une zone vraiment très reconnue, avec des grands comptes, mais également des petites entreprises. Et donc, on va s'appuyer pour ce pôle-là sur la Clé Saint-Pierre pour développer les trois autres territoires de la même façon. Et surtout, on va faire un grand travail de requalification des espaces pour pouvoir reconstruire un nouveau pôle. Et pour cela, on a engagé une étude qui va durer un an pour connaître à la fois le positionnement économique de cette zone, la stratégie que l'on va mettre en place. Donc ça, c'est le pôle de ce côté-là. Ensuite, vous avez ici, nous sommes dans le pôle qu'on appelle Ski Centre Université et qui comprend la commune de Montigny-le-Bretonneux, la commune de Guyancourt et une partie du corridor ferroviaire de Trappes. Donc là, c'est un pôle qui est extrêmement bien constitué au niveau immobilier d'entreprise, et c'est le premier pôle qui a subi toutes les opérations dont je vous parlais tout à l'heure, des opérations de renouvellement, des opérations de requalification et des opérations de démolition-reconstruction. Juste à côté, quand vous sortirez, vous verrez, donc nous sommes sur un immobilier des années 70, un immobilier sur dalles, et qui a commencé à être restructuré avec un bâtiment qui était occupé auparavant par Europcar et qui a été complètement réhabilité intérieur et extérieur, et qui accueille maintenant la société AK Technologique. Donc là, c'est vraiment l'exemple typique d'un bâtiment qui a été requalifié. Juste en face de vous, vous avez le bâtiment occupé par Aegis, qui était l'ancien siège social du groupe Malakoff-Médéric, et qui a été, mais alors lui, complètement restructuré également, façade et intérieur. Et c'est la société Aegis qui en fait était au bout de la rue, là où le conseil départemental s'est installé. Et comme il était dans de l'immobilier obsolète, tac, ils ont déménagé. Et c'est le jeu des chaises musicales que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà. Ensuite, le troisième pôle, c'est le Ski Business Campus. Alors là, c'est un pôle qui est constitué plutôt, comme son nom l'indique, de campus d'entreprise. Et donc, ce sont les territoires de Guyancourt, de Magny-les-Hameaux, voisins le Bretonneux, en direction en fait de l'établissement public Paris-Saclay. Et donc là, vous avez des campus d'entreprise. Donc des campus d'entreprise, c'est par exemple le Technocentre Renault, pour ceux qui connaissent. C'est le campus de Safran également. Donc là, c'est de l'immobilier plutôt bas, répartis plutôt dans la nature, avec des espaces paysagers, des paysages d'eau également. Et donc là, ce sont vraiment les nouveaux espaces économiques que l'on veut mettre en place, parce que c'est à cet endroit-là qu'on a des disponibilités foncières assez importantes. Alors, je ne sais pas, je voudrais faire un test. Qui est déjà constitué en entreprise parmi vous ? D'accord. Et les autres, vous êtes des
porteur de projet, vous êtes... Oui, c'est ça, d'accord. Et dans, je suppose, dans des filières complètement, complètement différentes, il n'y a pas eu un projet qui se ressemble, en fait. Donc, pour se mettre à votre disposition, nous avons créé cette petite plaquette que vous pourrez, dont vous pourrez disposer tout à l'heure, et qui vous propose, en fait, en fonction de ce que vous recherchez, est-ce que vous recherchez des bureaux, est-ce que vous recherchez des locaux d'activité, est-ce que vous recherchez des entrepôts, est-ce que vous cherchez des surfaces à partir du 10 mètres carrés, est-ce que vous voulez plus grand, est-ce que vous voulez vous développer. Et donc là, on a un panel qu'on a réparti en fonction des besoins du type d'entreprise. Donc quand c'est une start-up, une TPE, en général, ces entreprises recherchent des bureaux inférieurs à 100 mètres carrés. Donc là, il faut vraiment de l'offre flexible, de l'offre à court terme. Vous ne pouvez pas attendre qu'un projet en immobilier entreprise qui dure en général entre 18 et 24 mois, il faut que vous ayez de la disponibilité sur place. Ensuite, les PME, donc entreprises un petit peu plus grandes, jusqu'à du 2500 mètres carrés. Donc là, on peut avoir de l'offre flexible pour certains projets, on peut avoir de l'offre à court terme, donc de l'offre disponible, et de l'offre qui est en cours de livraison, qu'on appelle à moyen terme. Ensuite, vous avez donc les grandes entreprises au-dessus de 2500 mètres carrés et vous avez également donc les entreprises à la recherche de locaux d'activité. Parce que quand on parle d'immobilier d'entreprise, ce n'est pas que du tertiaire, bien évidemment. Ce sont des locaux d'activité, ça peut être des laboratoires, des centres de recherche et développement. Pareil, nous avons une offre également très, très diversifiée. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fonction de votre projet, on essaye de vous orienter vers tel ou tel pôle, là où vous vous sentirez mieux, là où, par exemple, il y aura des entreprises du même type d'activité que vous, etc. Donc on fait quand même un travail d'accompagnement. Et c'est pour ça que mes collègues, donc Catherine Royal et Frédéric Blavette, sont également présentes. Puisque vous passerez, lorsque vous avez besoin de locaux, vous faites une demande auprès de Frédéric Blavette qui va rechercher un petit peu partout, sur tout le territoire, ce qui peut correspondre à vos attentes. On vous organise également des visites de locaux. Ça vous évite un petit peu d'être tout seul face à votre recherche de locaux. Donc pour les locaux dédiés à l'activité et au stockage, donc en général, ce sont des locaux, pour les locaux de stockage, c'est rarement inférieur à 400 mètres carrés. Et les prix se situent entre 50 à 100 mètres carrés en fonction de l'état en fait, du local. Pour les locaux qui ont besoin d'activités, mais également de bureaux d'accompagnement. Là, on a des offres à partir de 150 mètres carrés et les loyers vont de 80 à 120 euros. Pour les locaux tertiaires, donc on a des bureaux divisibles dans certains immeubles à partir de 50 mètres carrés. Et en fonction de l'état du bien, donc on a soit des loyers en neuf, soit des loyers en seconde main. Et les loyers s'étalent de 120 euros à 230 euros en fonction de leur localisation et en fonction de l'état du bien. Je vais passer la parole à Christelle Vincent du Centre d'affaires Le Parc des Lumières, CEDAF, parce qu'en fait, on voulait faire une illustration, notamment pour les entreprises qui débutent. On peut également vous proposer soit des centres d'affaires, des pépinières, des espaces de coworking. Et donc là, ce sont des bureaux à partir du 10 mètres carrés, avec bien sûr la possibilité, comme tous ces espaces-là, de louer à la demi-journée, d'avoir une domiciliation. On a pas mal d'espaces maintenant de coworking également, des espaces de travail partagés, des espaces de stockage également et des ateliers. Parce qu'on a une pépinière qui s'appelle Promopole et donc qui peut vous accueillir aussi bien sur des bureaux que sur des ateliers artisanaux. En dehors de ça, on a plusieurs
plusieurs espaces de coworking et centres d'affaires. On en a juste au pied de la gare, c'est le Stop and Work, c'est une filiale de Regus. Et donc je vais laisser la parole, je reprendrai la parole après, je laisse la parole à Christelle Vincent. Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter donc mon activité. Donc je gère un centre d'affaires qui existe depuis 26 ans sur 50 ans en Yvelines. Et donc on propose donc des solutions qui vont de la domiciliation à la location de bureaux, soit ponctuels, soit résidentiels. Donc pour les jeunes entreprises qui souhaitent se lancer, donc on recommande, afin de limiter les coûts, de commencer par une domiciliation simple de leur société. On propose donc tout un panel de services qui vont vous permettre donc d'accueillir en toute sérénité donc vos prospects, vos fournisseurs, donc dans un cadre convivial et professionnel. Donc nous sommes situés donc dans la zone d'activité de Trappes-et-Lancourt. Nous avons un magnifique parking avec plein de places pour pouvoir accéder en toute liberté à notre centre. Donc le centre d'affaires donc s'étend sur une surface de 1500 m². Nous avons 45 bureaux qui vont donc de 14 m² jusqu'à 120 m² pour les plus grands. On est capable de vous mettre à disposition des espaces de travail partagés, qui sont donc de l'ordre de la demi-journée à la journée, pour nos nomades. Le coût de la demi-journée revient à 10 euros hors taxe, et la journée donc à 17,50 €. Donc on propose aussi pour les sédentaires, donc nos résidentiels, la possibilité donc d'avoir un espace dédié de leur poste de travail pour pouvoir donc laisser leurs affaires. Donc c'est à partir de 230 € au mois, voilà. Donc un espace dédié, donc ça se décompose en un bureau, une armoire, une connexion RJ45 à notre fibre optique ou le Wi-Fi. Et puis vous êtes libre de choisir donc la solution qui vous convient le mieux. On propose aussi donc la mise à disposition de bureaux temporaires. Ça va de l'heure, la demi-journée à la journée. Donc on a une déclivité de nos propositions en fonction de si vous êtes résidentiel, si vous avez un contrat par exemple de domiciliation chez nous, vous avez donc des remises sur nos forfaits, ou si vous êtes extérieur. Donc nous avons un cadre très agréable avec un grand parc paysager. C'est peut-être susceptible de répondre à vos besoins. Après, je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Oui. Géographiquement, pouvez-vous nous expliquer un peu mieux où vous trouvez en fait dans la région? Alors, on est sur la zone d'activité de Trappes-et-Lancourt. Donc, nous sommes situés en bordure de la commune de Montigny. Je ne sais pas si vous connaissez Montigny le Bretonneux. Pas vraiment. Le Ménil-Saint-Denis? Ok. Le Ménil-Saint-Denis, donc lorsque vous vous dirigez vers la N10, donc je crois que ça doit être le rond-point des droits de l'homme. Et donc c'est le long de la voie ferrée de la N10, hein, c'est la sortie des Templiers, si vous voyez où est-ce que nous sommes situés. C'est situé en face du circuit carte 23. Oui, exactement. Pour reformuler, est-ce que votre site est accessible via les transports en commun? Alors les transports en commun, nous avons deux gares à équidistance, donc la gare de la Verrière et la gare de Trappes. Nous avons beaucoup de chance grâce au PDIE, donc les plans de développement, déplacement, merci, qui nous ont permis d'avoir des lignes de bus dignes de ce nom. Et donc nous sommes desservis par trois lignes de bus en continu tout au long de la journée. Voilà. Donc,
Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui. Alors, vous avez notre site internet. Donc, si vous tapez normalement centre d'affaires Saint-Quentin-en-Yvelines, vous allez tomber donc sur le centre d'affaires Parc Lumière, entre autres. Et donc, je peux. Affaires au pluriel, c'est ça ? Centre d'affaires au pluriel. Et voilà. Et puis, si vous le souhaitez, donc je pourrais voilà, laisser des plaquettes pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà, je ne suis pas très familière de ce type d'exercice, donc je vais confier le micro à Madame de Beauregard. Puis merci de votre écoute. Oh. Voilà, donc bien évidemment, nous, au sein du développement économique donc de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, nous travaillons avec tous les professionnels de l'immobilier. Donc nous sommes suivis bien évidemment par tous les conseils que vous connaissez peut-être, BNP, DBX, Advenis, etc. Donc on travaille avec tous ces gens-là, mais il nous arrive également d'avoir des locaux que nous proposent certains propriétaires, ne voulant pas passer par des conseils en immobilier. Et donc, on a également une liste de quelques locaux qui peuvent être justement loués en direct, en dehors des conseils. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. Est-ce que mes collègues ont quelque chose à rajouter ? Alors, sur Saint-Quentin, en fait, on essaye vraiment d'assurer le parcours résidentiel de l'entreprise. On a plusieurs exemples d'entreprises qui ont commencé par un petit bureau commercial à un certain endroit de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et au vu de leur succès, ont commencé à vouloir se développer. Et sur ce territoire-là, on arrive à trouver justement des locaux pour se développer et pour pouvoir accompagner sa croissance. Donc surtout, vous n'hésitez pas, nous allons rester un petit moment ici. Si vous avez besoin d'avoir nos coordonnées, voilà, on est complètement disponible. Et surtout, n'hésitez pas parce que on vous accompagne vraiment. On prend en compte vos besoins, on prend en compte vos attentes et on vous accompagne pour ne pas vous laisser devant l'ensemble des professionnels. Vraiment, on est là à votre disposition. Donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à l'immobilier de façon générale. J'avais une question, savoir si la réservation pouvait se faire en ligne. Non, en fait, soit vous nous envoyez un mail, soit vous nous téléphonez et on vous accompagne directement. Voilà. D'autres questions ? Oui. Sur l'évolution du Sky High Tech, la zone de l'emploi. Alors, le pôle Sky High Tech, donc c'est un pôle qui est c'est la première fois en fait que sur Saint-Quentin-en-Yvelines nous travaillons avec 4 communes. Donc 4 maires qui sont tout à fait dans la même vision, dans la même optique. Et donc nous voulons, là nous avons lancé une étude avec tout un groupement d'études, que ce soit du développement économique, de l'aménagement, les mobilités, le développement durable, pour faire de cette zone une zone qui n'existe pas du tout sur le territoire. Cette zone, on va la travailler avec toutes ses composantes, parce que c'est une zone qui est très bien desservie par exemple par les axes routiers, puisqu'on est au bord de la 12, de la nationale 12, donc on est au bord de cette nationale. Par contre, elle est entourée de gares, il y a 2 gares à plaisir, etc., mais ce n'est pas connecté. Donc il faut vraiment qu'on fasse une analyse à la fois sur le positionnement économique, parce qu'on veut faire de cette zone une nouvelle zone innovante, mais il faut qu'on s'assure qu'on ne se trompe pas en fait. Donc c'est pour ça qu'on a lancé toute cette grande étude et on va accentuer justement sur les besoins en mobilité, sur les besoins en services pour les salariés, parce que maintenant une entreprise qui se développe, qui se crée, n'a plus les mêmes attentes qu'auparavant.
les salariés des entreprises ont besoin d'avoir des services à proximité. La qualité de vie est très, 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 très importante pour les salariés. Donc il faut vraiment qu'il y ait de nombreux services, et ça, on y travaille aussi, développer des services dans les parcs d'activités. Donc que ce soit des espaces de conciergerie, des espaces de coworking, des salles de conférences, des restaurants d'entreprise, enfin tout ce qu'on peut développer maintenant, on va le mettre en application justement sur cette zone, qui va vraiment s'appuyer en plus sur les grands comptes de cette zone, qui sont Airbus, Thales, JC Deco, Zodiac, le nôtre. Donc on a vraiment des très très belles entreprises, et donc il faut qu'on s'appuie justement sur ces entreprises pour développer cette zone et avoir un caractère régional. L'accompagnement est tarifé ou est-ce que c'est... Ah non, l'accompagnement est complètement gratuit. Quand je dis à votre disposition, c'est à votre disposition gratuitement. Oui. On trouve la locale, mais on peut s'adresser aux municipalités. Où ? Pour... Ah non, nous travaillons que sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Hein, sur les... Oui. Il vaut mieux s'adresser à nous parce qu'on a la vision, et en général les communes renvoient les porteurs de projets vers le développement économique de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc nous on a une vision vraiment sur les 12 communes. Non, vous avez des locaux aussi de, enfin, comme faire de la restauration, quelque chose comme ça, c'est que des grandes entreprises Non, alors on travaille aussi, on a la particularité de travailler également sur la partie commerce. Alors, les locaux commerciaux, en fait, tout dépend de leur situation. Soit ce sont des locaux de proximité, des locaux commerciaux de proximité de centre-ville. Là, c'est la commune qui a la visibilité. Nous travaillons surtout sur les pôles intercommunaux. Donc nous en avons 3 sur le territoire. Espace Saint-Quentin, Sky West, Sud Canal. Paris West sur Maurepas-Coignières. Et sur Plaisir Les Clés, One Nation, Grand Plaisir, le futur Open Sky. Mais on peut vous aider aussi à trouver des locaux commerciaux. Frédéric, tu as des recherches de locaux commerciaux également. Oui, alors ça nous arrive d'en avoir de temps en temps, effectivement. Après, parfois, les communes nous envoient les connaissances qu'elles ont. Effectivement, à nouveau, on a une visibilité un peu plus large. Sinon, ensuite, c'est nous qui allons démarcher à droite, à gauche, histoire de voir si on trouve un local adapté. Super, merci. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. On vous accompagne, c'est-à-dire que c'est nous qui effectuons les recherches pour vous. Certaines personnes veulent être contactées en direct, d'autres non. Donc du coup, nous sélectionnons les offres disponibles, on essaye de coller au mieux aux besoins, et ensuite on organise des visites. C'est aussi pour ça que lorsqu'on fait des propositions, il est intéressant pour nous que vous nous fassiez part de vos remarques, si ça correspond, ça ne correspond pas, ce qu'il y a plus, ce qu'il n'a pas plus. Ça nous permet de nous perfectionner et de mieux répondre aux nouvelles demandes. Est-ce que par rapport à ma demande, par exemple, vous serez capable de me dire que je serais mieux dans cette zone? Enfin, j'imagine, mais vous me direz si je peux être mieux dans cette zone-là. Je peux essayer d'imaginer. Tout à fait. Et on a besoin aussi, alors là je m'adresse aux porteurs de projets ou aux entreprises qui veulent se développer, de nous informer lorsque soit l'entreprise trouve un local à sa disposition ou se développe. Parce que justement, quand je vous ai fait le petit exposé tout à l'heure, je vous ai parlé du nombre de transactions. En fait, on recense chaque année toutes les entreprises qui ont bougé sur le territoire. Et c'est grâce à ça, donc on prend même les surfaces de 10 mètres carrés, j'en parlais tout à l'heure, à partir du 10 mètres carrés jusqu'au grand mouvement d'entreprise, on comptabilise tout, et ce qui nous permet d'avoir un observatoire très précis. Voilà. Pas d'autres questions? Ah, pardon. À quel moment de la création de l'entreprise, il est judicieux de venir vous contacter pour commencer l'accompagnement? Du temps, je suppose, pour trouver les locaux. Ah oui. Et puis il faut d'abord, quand vous créez votre société, il faut déjà passer par la maison d'entreprise, par Skikube,
Et ensuite, après, on vous accompagne dans votre recherche de locaux. Mais il ne faut pas commencer par la recherche de locaux. Il faut vraiment... Oui. Plus de questions ? Ah, si. Vous parlez d'avantages fiscaux. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est plus précis Oui, alors c'est sur la taxe sur les bureaux. En fait, comme nous sommes en zone 3, nous sommes à... Ah, mais alors ça, c'est pas tellement, ça vous concerne pas directement, ça concerne plutôt les promoteurs qui réalisent des opérations. La taxe de création sur les bureaux est à hauteur de 51 euros, alors que sur Paris, on est aux alentours de 150-200 euros le mètre carré. Mais ça, c'est quand on construit un immeuble. Voilà. Sinon, il n'y a pas d'avantage, non. Est-ce que vous avez fait l'étude entre les taxes qui sont payées ici par rapport aux communes avoisinantes qui ne sont pas dans la communauté. On essaye de le faire, mais c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Non, on connaît surtout la différence de loyer entre les différentes communes, mais au niveau des taxes, non, pas de... Plus de questions ? Écoutez, en tout cas, on reste à votre disposition et on vous remercie pour votre attention. Merci.